Et bonjour à tous, ici Morgan von Brelan, et on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, puisque aujourd'hui je vais faire une revue de Make a Game The Game Jam. Une petite game jam qui vient de se finir au moment où j'enregistre ça, et à laquelle j'ai participé, même si j'ai fait de la merde. Ignorez les milliards d'onglets que j'ai en haut, en fait, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, je gère. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, une game jam, c'est en fait une compétition où il faut créer un jeu vidéo dans un temps imparti. Là, en l'occurrence, c'était 3 jours, donc 72 heures. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3 jours, il y a cette vidéo qui a été mise en ligne qui a donné le thème. Voilà, et le thème, c'était Connected. Donc, connecté. Il y a donc eu 22 entrées que nous allons découvrir ensemble immédiatement. Moi, j'ai fait ça. J'ai pas trouvé d'idée. Alors, j'ai fait un puissance 4. Parce que ça se dit Connect 4 en anglais. Techniquement, c'est dans le thème. J'en suis pas fier, hein, que ce soit clair. Au moins, en termes d'originalité, ça va être la pire entrée de la jam. Mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est les autres. Donc, en premier lieu, Electricity Within. Électricité dedans. Gameplay, visuel, effet sonore, musique et respect du thème. J'aime bien quand les game jams ont le respect du thème comme critère. Parce que j'ai déjà vu des game jams où le... Donc le thème était juste ignoré et bah, c'est dommage. C'est... Il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait de participer à une game jam si on ne respecte pas le thème. j'ai un petit café. Évidemment, j'en prends une gorgée, je m'étouffe avec. Electricity Within. Souvenez-vous que... You have to disconnect to connect. Ah, il faut se déconnecter avant de pouvoir se connecter à un autre bouton. En allant sur le bouton qu'on a connecté, en appuyant sur L. WASD. Alors ça va être le défi. Bah quoi que non, attendez. Allez hop, en direct, Morgan découvre comment qu'on fait pour ajouter... Un clavier QWERTY. Clavier. Option de la barre de l'an. Est-ce qu'il y a paramètres de langue et clavier? Oui, c'était. Hey, c'était là. C'était pas là, ça, une seconde-ci. Est-ce que Windows se fout de ma gueule? Je regarderai la vidéo, je veux savoir si le jeu se paie ma fiole. English United States, ça sert à très bien. Suivant. C'est le module linguistique. Conversion de test passé, non, ça fait pas chier. Tu crées ton manuscrit, non? Je veux juste le clavier, hein. En attente. Initialisation. Ah. Parce qu'il fallait qu'il attende avant... Téléchargement obscur. Pourquoi ça prend trop de temps? Bon, on va faire une ellipse, hein. Et heureux, ça a bien pris sa plombe et demie. Mais... non, casse-toi, toi. On y est. FRA, ENG. Ça marche. J'appuie sur Q. Ça fait un A. Parfait. Play. Ok. Je peux pas sauter. F pour activer. L pour déconnecter ou connecter le bouton. Si connecté, j'appuie sur C pour l'activer à distance. Je ne connecte qu'à un à la fois.
D'accord. Attends. C'est... Attends, faut que je puisse... L. Ah, ça déconnecte. L, je connais ça. Ça marche pas. Ah d'accord, le même bouton contrôle les deux portes. Non d'accord, c'est moi qui me con... D'accord, je croyais que j'allais connecter le bouton aux portes. Non, c'est moi qui me connecte au bouton. Là j'entre, j'appuie sur C, c'est le bouton et j'avance. Ok. Alors, je connecte. Ah. Attends, du coup, il faut que j'aille me déconnecter celui-là. Comme ça, je me connecte. Ah non, attends, j'ai pas. Non, j'ai pas besoin. Non, attends, je me reconnecte. Je me reconnecte à celui-là. Je peux l'activer à distance avec C, d'accord. Et lui, je peux l'activer sur place avec F. Heureusement qu'il remet le tuto à chaque fois. Parce que je suis une brêle. C'est ouvert quoi ça? C'est ouvert ça. Ah merde. Du coup, il faut que je me connecte à ce bouton. J'imagine que ce bouton-là ouvre la deuxième porte au fond. J'appuie sur ça. Je crois que c'est bugué. Non, je suis complètement con. J'ai pas besoin de ça, je peux être idiot. Je peux juste me déconnecter avec celui-là. Donc ouvert, je me connecte à celui-là. Et voilà. C'est simple. J'avoue que j'ai un peu de mal avec le concept de la porte qui se referme encore plus fort sur elle-même, mais elle est super parce carrément. Je me connecte déjà. Ok, celle-là, celle-là, nickel, nickel. Y a combien de niveaux par contre? Comment j'atteins celui-là? Je me connecte, je me mets là. Tac. Hop là. Ok, je me connecte. Oh. On est sur la lune par contre. La porte. Là, je peux rentrer. Voilà. Et oh! D'accord, c'est un... Oula! Non, je disais donc... Ah merde, non, attends, d'abord, donc, ce qu'il disait, faut que je me déconnecte ici.
Ça, je peux me connecter. Avec l'espace. Apparemment. Je me connecte à ça. J'entre là. J'active. Et c'était pas le bon bouton. Youk. Insupportable. Mais. Du coup, c'est celui-là qui va se connecter. Du coup, je rentre dans la boîte. J'active à distance. Et je passe. D'accord. Ok. Oh putain, il y a trop de boutons. Secure. Ok, donc celui-là, il contrôle ce truc. On va le laisser en bas. Lui. Il a ouvert cette porte. Ah, il a mis ça. Et tout évidemment, je pars dans l'espace. Et celui-là? Inverse les deux. Bon, il ouvre la porte. Ah, il inverse les deux. Du coup. Ah, il ouvre la porte de gauche là-bas. Du coup. Du coup, il faut que je me déconnecte de ça. Comme ça, je me reconnecte à celle-là. Oh, le bouton de gauche, je crois. Voilà! C'est ça. Tac, tac, tac. Voilà! Mon cerveau qui en surchauffe. Donc ça s'ouvre la porte de gauche. Ça fait quoi? Sauf cette porte-là. Si je me connecte, ça fait quoi? Ça bouge celle-là, ok. Bien sûr, c'est où que je suis en dessous? Bon bah. Bon, je suis mauvais, mais j'aime bien. Gameplay, c'est pas mal. Pas forcément ultra fan de la gravité. Visuals, bon, c'est basique, pas dégueulasse. Effet sonore, c'est basique. Musique. Je ne vais pas mettre une étoile. Je mettrai une étoile aux jeux qui n'ont pas de musique du tout. Il y en avait une, mais elle n'était pas terrible. Et à respect du thème, oui. Écoute, il faut se connecter au bouton. J'aurais bien aimé un indicateur qui. Ah, il c'est Linux Multimedia Studio. Je l'ai. La regarder à gauche. Mais écoute, oui, on a jamais le concept. It. Ah oui, non, merde, je suis en. Ah! On passe en français. Voilà, ça serait bien si les boutons changeaient de couleur quand on est connecté. Mais, c'est du bon boulot. Voilà. Ensuite, Underwater Connection. Connexion sous-marine. Tac-tac. Téléchargement, temp. Photo, voilà, on va utiliser photo. Ça m'a l'air d'être le dossier qui correspond. Ah, ben merci.
Nana. Je voulais un truc. Ah, d'accord. Merci Explorateur Windows. Underwaterconnection.exe. Oui, non, faut pas chier, c'est bon. C'est un jeu d'Unity. Ça va aller. Alors, les règles. Alors, il faut avoir le score le plus. Putain, il est fort. Il est fort. Alors, on va le rendre moins fort. Encore un peu moins fort. Voilà. Alors, il faut avoir le plus haut score possible. Vous contrôlez Impression. Dans quoi? On contrôle un poisson et on peut contrôler les déplacements du requin. Le requin mange du jambon et du poulet et on gagne des points quand on fait ça. Si le requin mange du pain, on perd des points. Si moi, le poisson, mange du pain, je gagne des points. Mais si je mange de la viande, j'en perds. Et si je me prends un caillou, c'est perdu. D'accord. Comment ça marche? D'accord. Aller d'avant en arrière ne sert pas à grand-chose. Attention. Oh. Non! Ah! Point 18, virgule. Quoi? On va essayer, on va essayer. J'étais un peu trop zélé, j'ai pris un. C'est bizarre comme il a animé le requin. J'ai pris un caillou dans la bouche. Allez bien mon gros. D'accord. Sur les cailloux. Nom nom nom. La bonne viande. D'accord. Ah merde! J'ai mort. J'ai mangé les jambons. Ok. Ça c'est pour moi, c'est pour toi. Ça c'est pour moi. Il mange. Ah, ça accélère. Et. Voilà. Le jeu de la détente. Oula, des cailloux. De la viande. Mange la viande. Non. Hop là. Parfait, parfait. Remonte un peu. Non, le caillou! Le pain. Je recule un peu peut-être. Le pain. Merde, la viande. Non, le caillou! Non! Je sais pas pourquoi les points ont des virgules comme ça, mais. Ok, bah c'est sympa. Bon, c'est ça, je vais pas y jouer pendant 1 heure, mais. J'aime bien. Bon jeu. FF4? Ouais, FF4, ça marche très bien. Ok, alors gameplay. Bon, ça casse pas des briques, mais j'aime bien, c'est original. Visuals. J'aime bien. Voilà, j'aime bien la tronche qu'avait le requin. Effet sonore, bon, c'est basique. Musique basique. Aspect du thème, ouais. Ouais, j'étais connecté à mon petit requin. Voilà. Je donne une bonne note. Contour. Ça marche? Ça marche. You can turn full screen on. D'accord. Je vais faire ça. S'il me laisse appuyer sur le bouton, il me laisse pas appuyer sur le bouton. Level select. Il y a 10 niveaux. J'avoue que ça me trigger un peu qu'une ligne de 1 à 9 et puis le 10 qui est tout seul en bas. On aurait pu organiser ça un peu mieux. 1. D'accord, ça marche comment? C'est quoi les touches? Alors. La souris pour sectionner un objet, les flèches pour le bouger.
J'appuie deux fois sur la chat pour retourner au menu et R pour nommer le niveau. D'accord. Par contre, j'appuie là-dessus. Non, ça marche pas. Ah. D'accord. Faut que je connecte mon rayon au truc vert. C'est sympa. Ça va vite pour l'instant. Oula! D'accord. Ah! D'accord. Donc il faut pas. D'accord, donc évidemment les magenta, je peux pas les bouger. Merde! Donc j'ai. Donc, il faut pas que je connecte mon rayon au magenta. Voilà, donc la pièce au bouton met un caillou de. Bouge le caillou. Donc là, il faut que je fasse attention. Donc je me mets vers le haut. Et après, grâce à ça. Qu'est-ce. Bah, non, j'ai fait comme il fallait. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que mon rayon, il traverse pas le gris. Ah, d'accord, le nombre. J'avais pas. Je faisais absolument pas gaffe au nombre au milieu. D'accord, j'ai un nombre de. J'ai un nombre de coups limité. J'avais absolument pas fait gaffe à ça. Oula. D'accord, donc il y a les prismes qui dévient. Mon rayon. Ah, je peux les bouger. Oh. Voilà, là, évidemment, je perds. D'accord. Donc, les prismes dévient mon rayon. Je peux les faire tourner. Mon machin qui émet le rayon, il est bloqué. Donc, je ne peux jouer qu'avec les prismes, là, dans ce niveau. On recommence, j'ai pas fait gaffe. Sortir le caillou. Sortir les deux cailloux. Je peux bouger ça. Parce qu'attends, du coup, je vais vérifier, est-ce que vous voyez, à un moment, oui, normalement, il capture le, enfin, il enregistre le curseur, parce que oui, d'accord, parce que du coup, ce que je vais vous montrer, alors j'espère que vous allez voir, du coup, donc ce que je voudrais faire, donc lui, il faut le mettre là, lui, ici, parfait. Lui, il faut le virer. Lui, le mettre là. Ah! Et j'ai que 8 coups pour corriger ça? Ça n'a pas tracé parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Merde. Ah, comment. Ah, bah si, voilà, il fonctionne très bien, plein écran. Il fonctionne très bien. Comment. Je fais. Parce qu'il n'en reste plus que 8 coups, donc faut que je recommence. Mais du coup. Parce que lui, il envoie à gauche, ce con. Faudrait que je mette 2 coups en haut pour le retourner. Donc, pas le truc à faire. Ça. Ça. Tac. Tac. Merde. Attends, ça fait un tour complet. Ah oui, ils sont complètement, c'est bizarre. Le problème, c'est qu'on voit pas où les prismes on voit.
Mais c'est bugué. Mais non, mais c'est la triche, ça touche pas. D'accord, il faut d'abord que je fasse ça. Tac, tac. 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 Ok. Nickel. Ok, alors. Colle les prismes. Ah, je peux le sortir du caillou, lui. Je crois que c'est de la triche. Je crois que je suis pas censé. Que peut-être que. D'accord, là, les prismes se retournent complètement. Je pense qu'il n'est pas prévu que je puisse sortir le prisme du caillou. Alors lui, j'ai besoin de vous le bouger. Le prisme, je peux pas, il est dans la glace. J'ai 30 mouvements. Ah oui. Attends, on recommence parce que. Ouais, non, dans tous les cas, faut que je commence par aller tout là-bas. Pour enlever tout ça. Ça, c'est rigolo, mais ça sert à rien. Ça peut pas être ça. D'accord. Ça, je l'ai piffé, hein, je vais être sincère. Ok, donc là, c'est facile, je me mets là, ça enlève ça. Hein. Ah. D'accord. Ça retirerait ça. Mais en quoi ça m'aide? On recommence parce qu'il était où le machin? En quoi ça m'aide? C'est ce carré-là que j'ai enlevé? Ah, si, si, je vois, je vois. Tac, 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 tac. Lui, on le garde tel quel pour l'appuyer à gauche. Et du coup, lui, il peut se mettre ici. Comme ça, après lui, on le retourne. Et ça met pas machin en danger. Lui, on va aller le faire bloquer ça. Et lui, on va de nouveau le mettre vers le haut. Et ça passe tout pile comme à chaque fois. Ouais, donc en gros, à chaque fois, il y a une. Oula, il y a une solution. Je pense à quel niveau on est. On doit bien être au niveau 9, peut-être même 10. Alors, voyons voir. N'y a plus de musique. C'est triste. Attends, parce que là, je veux. Commence. Ah, la musique est revenue. D'accord. Ah. Tac, 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 tac. Tac, tac, lui on le met là pour le protéger.
Il m'a resté 8 coups, je pense qu'il n'avait pas prévu sa solution là. Ouais. Oula, c'est dangereux ça. Ça marche, hein? Bon, ça marche pas. Bien tenté, mais non. D'accord. Lui, il ajoute un caillou. En quoi je suis con si je voulais économiser des mouvements? Je ferai en sorte de toucher. En fait, ça il suffit de le bouger là. Voilà. Ah, j'ai pas assez de mouvement pour aller à gauche. Ah. Ici. En haut. Nickel. Il me reste encore un coup. Très bien. Et j'ai fini. D'accord. Bah, j'ai bien aimé. Hop. Merde. Merde. Je crois que j'avais téléchargé, mais non, j'étais sur Firefox. Et du coup, j'ai fermé Firefox avec mon gros Alt F4 sale. Bon, du coup, on va. Submission Event Rated. Il me propose la mienne, mais évidemment, je ne peux pas. Ah! Je ne peux pas noter ma propre entrée. Et du coup, connecteur, gameplay, très bien. Visuals, j'aime bien. Effet sonore, oui. Musique était mieux que les autres. Et l'aspect du thème, Je te mets 3 étoiles. Ça va déjà faire une demi-heure qu'on est là-dessus. Ça sera peut-être en deux parties. Du coup. Unknown connection. Aha! Celui-là, je sais qu'il est en anglais. Et celui-là, j'ai fait les voix. C'est moi que je parle dedans le jeu. Alors, le jeu met du temps à charger. Parce qu'il est mal fait! Parce qu'il est mal fait! Peut-être, en vrai, oui. Parce que c'est pas le premier jeu Unity qu'on voit, et les autres, ils ont chargé plus vite. Ok, c'est temps pour work. Let's connect the Space Station Network to check for one. Ok, il faut se connecter à la station. À l'Amérique. Laisse-moi sortir! Eh ben, je m'assois. We need to upgrade already. Oh là là, il faudra vraiment se mettre à jour. Allez hop, je me connecte au réseau de la station spatiale Zin. Je mets en plein écran. Eh, Juan, t'es réveillé? Hey, je suis réveillé. Hey, je viens de voir un truc. T'as vu quoi? Je sais pas, j'arrive pas à dire. J'arrive pas à croire que je suis en train de dire ça, mais je crois que c'était un ovni.
Non mais déconne pas, faut pas plaisanter avec ça. Je te jure, c'est vrai. T'as rien vu dehors, dans le ciel? Quoi? Connexion inconnue? Oh mon dieu! Il plaisantait pas! Attends, je vais continuer à faire la voix de Juan. Putain, il plaisantait pas? Est-ce que c'est le premier contact? Il m'envoie des chiffres. Bonjour. C'est à quel sujet? Nous ne voulons pas d'aspirateur. Je me lève. Alors le... C'est... Merde. Merde, non. Je sais pas... Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai changé d'anglais, du coup, on n'a rien vu. Bon, on n'a rien vu. L'écran est passé au noir et je suis mort, mais... Ok. D'accord. Gameplay, bon, gameplay, y'a pas vraiment de gameplay quoi, c'est histoire interactive. Effet visuel, ouais. Ouais, bah écoute, screamer, je me suis pris en pleine gueule. Musique, elle fait le taf. Aspect du thème, mais. Oui, je me suis connecté à la station spatiale, mais après. Effet sonore, Ouais, j'ai tapé au clavier. 5 sur 5, le doublage était parfait. Oui, la crise cardiaque à la fin. Je confirme. Oh, quel enfer. Qu'est-ce que ça dit? Hein, nos voix commentaires sur. Ça correspond au thème. Oui, bah je. Je suis désolé. Putain, la fille. Beat Miser. Beat Miser, alors beat, c'est. C'est chanter perle. Genre des perles de coulier, je crois. Attends. Bid. Merde, chien. Bid. Ouais, c'est un perle. Miser. Radin. D'accord. Donc, radin perle. Ouais. Je peux me passer avec les touches? Non, il faut que je passe en... D'accord. Il faut que je me balade à la ramasse des perles. Ça, j'imagine que c'est les blobinous, c'est des ennemis, il faut que je les évite. Ah, ils sont nombreux. Je ramasse les perles. Là, une perle rose. Là, un blob. Là, une perle bleue. Là, une jaune. Ouais, ils sont nombreux. C'est juste qu'ils volent mes perles, ces salauds. Speed! Ouais. Ah oui, quand même, parce que je me suis pris une quiche et j'ai pas perdu de vie, donc Ouais. Ah, attends, parce que j'ai ramassé une perle, j'ai récupéré de la vie. Je récupère un point de vie à chaque fois que je ramasse une perle. C'est un peu OP. Oui.
Ouais. Non, on se fait chier. On se fait chier. Alors. Gameplay. Ouais, moyen. Visual, ça va. Effet sonore, il n'y en a pas. Musique, il n'y en a pas. Aspect du thème, il n'y a pas. Voilà. Allez, casse-toi. Collecte les points. Le dernier. Après, on s'est arrêté. On fera ça en deux parties. Ça a pris plus de temps que je le pensais. Ben, surtout les deux jeux d'énigmes, en fait. Même si le premier, j'ai pas fini. Les deux jeux d'énigmes qui ont pris du temps. Alors, connecter les points. Humain plus IA, humain plus humain, à propos. À propos. Ouais, bon, c'est crédit, quoi. Je suis tout seul, donc contre l'IA. Quoi ? Il faut faire quoi ? Y a pas de tuto. Je comprends rien. Je comprends rien. Quelque chose. Attends. C'est quoi le but du jeu ? Attends, c'est l'histoire de deux développeurs des États-Unis et de Lituanie qui travaillent ensemble pour connecter les points pour leur jeu, même s'ils sont à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. D'accord, mais c'est quoi le jeu? Parce que je me balade, je ne suis pas. D'accord, je récupère des bleus, je récupère des. Non, je comprends rien, ils sont super forts. Gameplay, de la merde, j'ai rien compris. Effet physique, mais non, il faut me la paix, casse-toi. Effet visuel, bof. Effet sonore, musique, il n'y en a pas, il y a respect du thème, je vois pas, je suis désolé. Bon, c'est un peu dommage. De se laisser après deux jeux bien nuls, sans aucun rapport avec le thème. Je suis connecté d'os, moi j'ai rien connecté du tout. Ou alors j'ai juste pas compris, mais. Bon. On a fait combien là? Pour voir? On a fait 6 sur 22. Ce sera peut-être en 3 parties. On verra, on verra. Bon! Et bien dans tous les cas, il y aura au moins une deuxième partie. Pour aujourd'hui, ce sera tout. Au revoir à tous et à la prochaine!